Je suis ravi d'être parmi vous. Voilà, ben je vais essayer de vous mettre en appétit pendant une heure avec des nourritures célestes plutôt que des nourritures terrestres, mais il faut les deux hein, pour un bon équilibre. Voilà, je vais vous donner quelques nouvelles de cet extraordinaire univers qui ne cesse de nous surprendre et que nous essayons de décoder euh, à la fois effectivement par... Euh, par les lois de la physique et de l'astrophysique, ce dont je vous parlerai aujourd'hui. Et puis, dans la vidéo que j'ai enregistrée précédemment, je parlais, mais je ne vous en parlerai pas cette fois-ci, euh, des autres voies d'approche pour essayer effectivement de percevoir l'univers. Il n'y a pas que la science et les mathématiques qui permettent euh, de capter euh, les éléments fondamentaux de notre univers. Voilà. Euh... Alors, comme on pose naturellement la question, astrophysicien, on pense à astronome, alors vous faites des observations, vous êtes allé au Chili, ceci, cela, je, je, je précise d'emblée qu'il y a une vaste variété, de, une large variété de, de spécialisations, euh, enfin, comment en toute chose, dans, quand on travaille dans ce qu'on appelait les sciences de l'univers. Voilà. Donc, très, euh, très rapidement, le métier d'astronome, c'est le métier qui consiste en fait à recueillir des données. Alors, les données sont recueillies soit par des instruments qui sont les passivement, qui sont les télescopes, qui reçoivent les rayonnements électromagnétiques, les ondes gravitationnelles, les neutrinos, qui nous apportent des informations à distance. On n'agit pas, évidemment, sur les objets lointains que nous observons. Et puis, il y a une, une partie plus, euh, plus active qui est l'exploration spatiale, qui a commencé dans les années 70, cette fois-ci, on, on peut envoyer dans l'univers très, très proche, qui n'est que notre système solaire, une partie infinitésimale du vaste univers, mais on envoie des sondes spatiales explorer. Les planètes du système solaire, et ça effectivement, ça a également fait faire un bond absolument considérable à nos connaissances, en tout cas de notre environnement proche. Alors évidemment, après pour acquérir le maximum de données, eh bien, il faut développer des instruments. Et donc là, on est dans un tout autre métier qui est plus lié au métier de chercheur-ingénieur euh, et, et très haute technologie. Et on a aujourd'hui une panoplie d'instruments absolument incroyables, euh, allant des, des grands instruments qui sont au sol, donc les grands sites les télescopiques euh, au Chili, à Hawaï, etc. Euh, et puis des, beaucoup d'instruments qui sont essentiellement placés dans l'espace, parce que la plupart des rayonnements électromagnétiques, qui nous donnent des informations sur... Euh, sur les astres lointains, euh, sont bloqués par les couches supérieures de l'atmosphère. Donc, quand on veut observer l'univers sous toutes ces euh, coutures électromagnétiques, c'est-à-dire euh, en infrarouge, en ultraviolet, rayons X, et rayons gamma, voilà, euh, ben, il faut embarquer des télescopes dans l'espace. Donc, il y a cette activité, la plupart des grands télescopes aujourd'hui sont dans l'espace. Euh, bien. Et donc il y a cette instrumentation extraordinaire. Et puis comme on a découvert également euh, au XXe siècle, d'abord par des raisonnements théoriques, qu'il y a d'autres messagers d'information que les rayons lumineux, par exemple les ondes gravitationnelles, les neutrinos, je n'ai pas le temps d'en parler, mais euh, on a également développé des technologies spécifiques pour détecter, pour décoder ces messages très particuliers qui ne sont plus les messages de la lumière. Et notamment pour les ondes gravitationnelles qui ont été détectées en 2015 pour la première fois, alors qu'elles avaient été prédites et calculées de façon très précise, exactement. Un siècle auparavant, par Ada Einstein, il a fallu développer des technologies absolument extraordinaires euh, pour arriver effectivement à, à détecter ces ondes-là. Euh, bon, une fois qu'on a ces instruments incroyables qui nous donnent, délivrent des masses de données absolument gigantesques, d'ailleurs, dont on ne peut traiter que quelques pourcents actuellement, tellement qu'il y en a, Évidemment, il faut la grille de lecture pour les interpréter. Cette grille de lecture, c'est évidemment les lois de la physique. Non, ici, on est dans les modélisations. Et c'est là qu'on est astrophysicien, puisqu'on essaie de comprendre la physique des astres. On n'est plus astronome. Voilà. Et donc, on fait des modèles, on utilise les modèles de la physique euh, connue, plus ou moins bien éprouvés euh, au laboratoire, hein, la physique nucléaire, la physique de la gravitation, euh, etc., etc., la thermodynamique et compagnie, pour, euh, voilà, pour interpréter ces choses-là. Et puis, il y a une quatrième boîte à laquelle je suis très fier d'appartenir euh, c'est la boîte vraiment des théoriciens un petit peu à l'état pur, qui ont d'abord une formation plutôt de mathématiques, et puis après, qui, euh, qui vont réfléchir finalement sur quoi repose. Les, la compréhension, les modèles de la physique qui nous permettent d'interpréter les observations, ça repose quand même sur des présupposés. Présupposés, par exemple, qu'est-ce que c'est l'espace Pourquoi y a-t-il Est-ce qu'il n'y a vraiment que trois dimensions Qu'est-ce que c'est le temps Est-ce qu'il est lié à l'espace ou est-ce qu'il est indépendant Quelles sont les forces fondamentales de la nature Comment il y en a Une, deux, trois, quatre, etc. Ce sont des questions que l'on se pose depuis l'Antiquité, puis il y a déjà Aristote avait commencé à, à faire ses propres propositions, et puis il y a une série de révolutions scientifiques qui, en permanence, refont de les piliers de notre compréhension, euh, les postulats finalement, de, de base, c'est ce qu'on appelle la physique fondamentale. Et là, l'outil, bah, c'est le sort des mathématiques, c'est un outil purement intellectuel. Voilà. Donc, il y a ces composantes, dans, euh, voilà, quand on travaille dans les sciences de l'univers, qui sont extrêmement spécialisées. On ne travaille pratiquement pas dans deux boîtes à la fois. En tout cas, on peut travailler à la fois sur les concepts et les modèles, on peut travailler éventuellement sur les instruments et les données, on peut travailler sur les modèles et les données, par exemple. On ne travaille pas dans les deux là. On est un physicien théoricien comme moi, je ne comprends rien aux instruments. Et inversement, les instrumentistes ne comprennent rien à ce que je fais. Mais malgré tout, il va bien falloir, à un moment, si je développe, j'en parlerai dans quelques minutes, des idées sur des propositions théoriques, à quoi va ressembler un trou noir entouré d'un disque de gaz, à quoi, être, à quoi va ressembler la forme de l'espace, etc., il faut bien vérifier ça un jour, si on sort du de domaine des mathématiques pures par des instruments. Et je ne vais pas aller directement à expliquer aux instrumentistes ce que je voudrais qu'ils fassent, parce que... Et eux-mêmes... Voilà. Et donc il faut trouver des circuits in intéressants pour arriver finalement à, à faire fonctionner tout ça ensemble, et ça finit par, euh, par marcher. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça, ça ressemble un petit peu à, à quatre branches d'un arbre. Et ce qui est très important dans cet arbre-là, c'est le tronc. Voilà. Et le tronc, on le fait apparaître là. Et le tronc, quoi il est enraciné dans quoi Dans toutes les autres activités humaines, et toutes les disciplines de l'esprit humain. La culture, la philosophie, l'art, l'économie, la société. Voilà. Donc, on dit souvent, et c'est un terme un petit peu qui finit par m'agacer, on dit toujours tête dans les étoiles. On fait de l'astronomie, vous avez la tête dans les étoiles, comme si c'était finalement déconnecté euh, du reste, comme s'il n'y avait pas les pieds sur Terre. Mais non, tout ça c'est profondément enraciné. Et l'une des raisons pour lesquelles la réflexion sur les sciences de l'univers, euh, elle est aussi ancienne que l'humanité. On parlait tout à l'heure euh, à table de la perte de, con de contact cosmique que nous avons parce que nous ne voyons plus le ciel aujourd'hui avec les lumières des villes. Et donc, en revanche, quand on va dans le désert ou en mer ou en montagne, on revoit enfin le ciel, les étoiles, la voie lactée. Et on a une sensation d'infini, une petite sensation d'ailleurs, parce que contrairement à ce que vous pourriez penser, même dans les plus extraordinaires conditions de pureté de ciel, vous pourriez avoir l'impression qu'on voit des millions d'étoiles. On n'en voit que 4000. 4000, c'est rien. Et on a déjà quand même une sensation de quasi-infini avec ça. Et surtout, euh, ben dans le passé lointain où il n'y avait pas de lumière, donc l'homme était constamment confronté à ce ciel qui était au-dessus de, de sa tête, dès qu'il sortait de la caverne, il regardait le ciel et il y avait l'étonnement philosophique. Qu'est-ce que je fais dans ce ciel Comment il est organisé et pourquoi est-il organisé Est-ce que je suis au centre ou pas Est-ce que ça a une signification pour moi C'est ça le vrai propos des sciences de l'univers. Après, au-delà de trouver évidemment les lois de la physique qui vont expliquer comment ça marche, il y a un propos essentiellement philosophique et métaphysique. Et également, cet enracinement dans l'histoire très profonde de l'humanité dans toutes les cultures, il y a aussi une raison très pratique, autre que cet étonnement philosophique dont je parle, la raison très pratique, c'est d'établir les premiers calendriers. Ça a été important d'établir des calendriers. Les sociétés humaines se structurent avec... Les calendriers, les fêtes religieuses, les travaux des chants, tout un ensemble de choses. Et c'est pour ça qu'on trouve dans toutes les cultures du monde entier des registres d'observation. Parce que les premiers calendriers, ils ont été faits avec l'astronomie, les mouvements réguliers de la Lune et du Soleil. Au bout de siècles et de siècles, les hommes, peut-être des millénaires, les hommes ont bien compris qu'il y avait des cycles absolument réguliers qui servaient d'horloges. Et avant qu'on sache faire des sabliers, des clepsydres, des horloges à eau, tout un ensemble de choses, eh bien voilà, il y en avait les horloges naturelles. Donc les calendriers lunaires, solaires, etc. Donc voilà pourquoi cette, la réflexion sur l'univers a ce double aspect, à la fois un aspect vraiment philosophique et métaphysique, je dirais, et puis cet aspect finalement pratique. L'astronomie va permettre de se repérer dans le temps. Et dans l'espace, voilà. Alors donc moi, de par ma formation, pardon, donc de par ma formation en mathématiques pure que j'ai faite ici à Marseille, à la faculté Saint-Charles, euh, je suis dans cette boîte-là. Et puis il m'est arrivé évidemment de, de produire, de proposer des modèles dont j'aurai l'occasion de parler, des modèles de la physique euh, susceptibles de produire des données particulières. Et il faut aller construire ces instruments pour vérifier ces données. Donc vous voyez effectivement ce, ce trajet possible. Vous bâtissez une théorie qui fait que vous interprétez, qui doit faire une certaine prédiction physique, donc correspondant à certaines données observationnelles, et il faut construire les instruments s'ils n'existent pas pour vérifier ça. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut fonctionner complètement à l'envers quand on regarde un petit peu l'histoire des sciences. Vous prenez par exemple, je prends un exemple parmi d'autres, la lunette de Galilée. Euh, la lunette de Galilée, ça part d'une inno, innovation tout à fait empirique d'ailleurs et hasardeuse. Euh, l'idée de mettre euh, deux lentilles euh, taillées d'une certaine manière l'une devant l'autre et ça grossit les choses au début c'est un petit peu un amusement on s'amuse à regarder ce qui se passe chez le voisin à la voisine ou ce qui regarde ce qui se passe dans le port les navires qui arrivent etc et Galilée qui entend parler de ça donc comment ça faire ça hein, il, il montre au Doge de Venise comment on peut euh, détecter la flotte turque ennemie qui va arriver à l'avance donc ça fait un avantage militaire etc et puis quelques mois plus tard ah, il lève le nez vers le ciel. Ah ça c'est important hein, de lever le nez vers le ciel, surtout aujourd'hui avec euh, les jeunes qui sont constamment le nez sur leur, <laughs> sur leur iPad comme ça. Il faut... Donc Galilée fait ça. Il lève la le... lunette vers le ciel et il découvre les choses que on n'avait jamais vues à l'œil nu. Euh, donc on a une innovation instrumentale dont on ne comprend pas bien d'ailleurs le fonctionnement. Ça donne de nouvelles données inattendues, le relief de la Lune, des satellites de Jupiter, des étoiles que l'on ne voit pas à l'œil nu. Le modèle, la grille de lecture de l'époque, c'est la physique d'Aristote. Ça contredit complètement la physique d'Aristote. Donc on abat le, le, la physique d'Aristote et on fait de nouveaux concepts. C'est la grande révolution copernicienne. Alors voilà aussi comment ça marche dans, dans l'autre sens. Bien. Alors, je vais vite parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Donc finalement, vous voyez que voilà le propos de tout ça, c'est euh, cette fameuse question philosophique. Qui sommes-nous Devenons-nous où allons-nous Donc là, je vous montre trois, trois images. Ça, c'est l'art pariétal qui montre que déjà, dans les peintures rupestres, dans ce, il y a des interprétations de ces astérismes-là euh, qui correspondent à des configurations célestes réelles au voisinage d'une constellation que l'on appelle la constellation du taureau, avec cette étoile brillante qui est l'œil du taureau, Aldébaran. Et ce sont des amas d'étoiles qui sont réellement observés dans le ciel. Euh, le ciel était très tellement présent à cette époque-là qu'il ne serait pas étonnant. Euh, que l'observation du ciel et le questionnement du ciel aient non seulement déclenché, euh, peut-être la religion, c'est-à-dire l'idée d'un au-delà, après la mort, mais également l'art pariétal. Ça, c'est l'un des innombrables calendriers que l'on voit en Égypte. C'est un calendrier égyptien qui remonte à 4000 ans, calendrier lunaire et solaire. Et puis ça, c'est le fameux tableau euh, que Gauguin a peint en 1897 et qu'il a appelé Qui sommes-nous, devenons-nous, ou allons-nous et donc c'est un petit peu le sujet des jours, ces nouvelles de l'univers que je vais vous donner, c'est euh, bah, de répondre, pas bah, définitivement, très loin. on est très loin d'y répondre définitivement, mais de créer de, nouvelles, de nouveaux aperçus que nous n'avions pas il y a 50 ans ou il y a 100 ans, parce que même si l'astronomie est la plus ancienne des sciences, 80% de ce qu'on raconte aujourd'hui, ce sont des acquis qui ont moins d'un siècle, hein, grâce au progrès absolument incroyable à la fois des instruments et des théories. Qui sommes-nous C'est la grande question. Qui sommes-nous Qui sommes-nous Nous sommes des êtres vivants et conscients, en principe, selon le moment de la journée. <laughs> bon, euh, est-ce que c'est une singularité extraordinaire dans l'univers Le seul fait d'être déjà d'être vivant, le conscient, c'est encore plus compliqué. Hein Alors, c'est la grande question, évidemment, de la vie extraterrestre. Bien, euh, qui est posée depuis l'Antiquité, bien entendu. Les philosophes grecs s'étaient déjà posé cette question sur la pluralité des mondes habités. Et aujourd'hui, on a une discipline cette question qui était quasiment interdite de penser par les différentes églises pour des raisons théologiques. C'est aujourd'hui une branche fondamentale de la recherche qu'on appelle l'exobiologie. On va réfléchir aux conditions euh, extérieures à la Terre dans lesquelles la biologie pourrait se développer. Le d'où nous Ça va être les questions fondamentales sur l'origine. Des astres, l'origine de la Terre, puis la Terre est autour du Soleil, donc le Soleil, le, y a-t-il une origine du Soleil Le Soleil c'est une étoile, y a-t-il une origine des étoiles Et ainsi de suite, on va remonter jusqu'à peut-être une origine même de l'univers lui-même, l'origine de l'espace et du temps. C'est le fameux modèle du Big Bang. Et aujourd'hui, peut-être l'occasion, si je je prends pas trop de temps auparavant, de dire à la fin que commence à envisager maintenant un avant Big Bang pour repousser toujours plus loin une origine. Qui pose un problème paradoxal dès qu'on a une origine un butoir. On se pose toujours la question de qu'est-ce qu'il y a au-delà. Et où alors nous C'est à partir du moment où on a des modèles assez efficaces, comme vous le verrez, pour décrire un petit peu tout ce qui s'est passé dans l'histoire cosmique au moins depuis 14 milliards d'années. Vous verrez qu'on a quand même des réponses assez frappantes sur les origines des astres. Ben ces théories sont capables de faire des prédictions. Comment ça va évoluer Et donc effectivement là. Euh, la fin du soleil, la fin de la mort de la Terre, la mort de la Terre, enfin, Terre c'est pas un être vivant, mais enfin bon, euh, la fin de la Terre et l'évolution de l'univers qui va se dilater ou pas éternellement dans l'espace, tout ça, ce sont effectivement des, des projections dans le futur qui nous permettent d'essayer de, de, de proposer des modèles sur le destin ultime de l'univers et du, de son contenu matériel. Voilà, donc voilà le véritable propos de tous ces, de tous ces questionnements. Alors, petit préambule. Euh, ça va être une petite révision du ciel, euh, un petit rappel sur euh, voilà, les différentes structures qu'il y a dans l'univers, puis surtout les différentes échelles, parce que dès qu'on est en astronomie, on est tout de suite perdu dans les chiffres astronomiques énormes. On est toujours à des milliards et des milliards de choses, on se perd un petit peu. Donc on va faire un petit peu voyage récapitulatif. On va partir de l'objet minimum, un petit peu, de l'astronomie, le type plan planète de type terrestre, de, disons 10 000 km, etc. Et puis imaginons que. Nous embarquions tous là maintenant dans un vaisseau spatial et on va quitter la Terre, et on va s'éloigner. Et on va prendre des photos, euh, des, 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 on fait des zooms arrière successifs et on, voit, on va voir s'insérer chaque image dans un cadre plus large. Alors, ben, le premier saut qu'on va faire, on va passer à l'échelle de ce qu'on appelle le système solaire intérieur. C'est d'ailleurs une échelle d'environ 10 milliards de kilomètres, c'est déjà pas mal à hein, notre échelle, qui permet de, de rappeler simplement que la Terre. Elle n'est pas au centre des choses qu'on l'a pensé pendant longtemps, c'est une planète parmi une dizaine d'autres qui gravitent autour d'une étoile qui est le Soleil. Voilà, je m'empresse de dire, vous l'avez... Compris que c'est une infographie qui ne respecte absolument pas les tailles relatives des objets célestes et, ni, et encore moins la distance. S'il fallait respecter ça, le Soleil est un million de fois plus grand que la Terre. Euh, ouais, on pourrait mettre un million de fois la Terre dans le volume du Soleil. Et s'il fallait respecter cette fois-ci les distances des orbites, il faudrait un écran de plusieurs millions de kilomètres. Voilà, donc on recompacte simplement pour rappeler... Ce est, voilà le système solaire interne. Alors, beaucoup d'entre vous, peut-être si vous vous intéressez un petit peu à l'astronomie, vous pensez que euh, dès qu'on commence à aller au-delà de, des planètes lointaines, Neptune et Pluton, on est en train de quitter le système solaire, mais pas du tout. Le système solaire s'étend beaucoup plus loin, parce que le Soleil, il a une influence gravitationnelle qui s'étend beaucoup, beaucoup plus loin que, euh, que, les planètes, euh, que les planètes dites lointaines. Et donc, s'il fallait représenter ça par un, encore un zoom, Toujours une infographie, voilà ce que serait le système solaire, c'est-à-dire un ensemble de milliards et de milliards de corps euh, qui sont tous liés à la gravité du Soleil et la taille. Estimée, c'est pas mesuré directement, c'est de l'ordre de 10 000 milliards de kilomètres. Alors comme on est dans, après dans des chiffres astronomiques... On va changer d'unité, on va passer à l'année-lumière au lieu de parler de kilomètres. L'année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en une année, et à raison de 300 000 km par seconde, dans le vide, ça fait à peu près 10 000 milliards de kilomètres. Et cette unité de distance bien connue, hein, utilisée après en astronomie, il se que c'est juste la taille euh, typique de notre petite euh, région à nous, qui est notre système solaire auquel nous, euh, euh, nous appartenons. Bien. Alors, euh, ben après, on a commencé à comprendre, alors là, ça va retracer un petit peu l'évolution également de nos idées sur l'univers. Quand on regarde les étoiles dans le ciel, eh ben, on a commencé à comprendre seulement à l'époque, justement, de Galilée et de Kepler, que ces étoiles, ben, c'est d'autres soleils. Et qu'autour, il doit y avoir aussi peut-être des planètes. Alors, on a mis longtemps pour être sûr qu'il y avait des planètes. Il a fallu attendre la fin des années 90. Mais déjà, en 1600, on se dit, les étoiles sont d'autres euh, voilà, soleils. Donc... On fait le zoom arrière, on va passer à l'échelle des étoiles. Mais cette fois-ci, c'est plus des infographies, ce sont de vrais clichés astronomiques. Donc voilà un cliché des parages du Soleil. Euh, vous avez quelques milliers d'étoiles comme ça, dans un rayon d'environ 1000 années-lumière autour de nous. Et je répète, chacune de ces étoiles, c'est un Soleil. Alors il y en a des gros, des petits, des chauds, des moins chauds, etc. Des jeunes, des moins jeunes. Euh, bien, voilà, voilà. Bon, première étape. Deuxième étape, on ne voit qu'un tout petit bout minuscule d'une structure plus vaste dans laquelle les étoiles se rassemblent. Les étoiles ne sont pas éparpillées n'importe comment dans l'univers, elles se regroupent dans des vastes systèmes, qu'on appelle des galaxies, dont nous appartenons à une galaxie particulière. Donc justement, quand on va dans le désert ou en mer ou en montagne, on voit la fine tranche dans le ciel sous la forme d'une arche lumineuse, qui pas la Voie lactée. Donc on a donné le nom de Voie lactée à notre galaxie. À quoi ressemble notre galaxie alors évidemment, on ne l'a pas quittée, elle est tellement gigantesque qu'on ne l'a pas quittée pour en prendre une photo de l'extérieur. Mais il se trouve que l'étape d'après, euh, on a découvert bien d'autres galaxies dans l'univers. Et donc on peut prendre une photo des galaxies lointaines qui ressemblent à la nôtre. Donc c'est un petit peu comme si on avait des, un club Y extraterrestre qui se pose la même question et qui nous montre l'image de notre galaxie, ce serait ça. Alors voilà à quoi ressemble une galaxie en faisant ce zoom arrière extraordinaire. Alors on a un système aplati. Qu'on voit ici par la tranche, c'est quoi C'est du gaz, des étoiles et des poussières. Poussière cosmique, ça joue un rôle fondamental. <laughs> on est à une échelle d'environ 100 000 années-lumière. C'est à peu près le diamètre, la taille typique d'une galaxie relativement modeste, comme notre voie lactée. Parce qu'évidemment, on est sur une planète modeste, autour d'une étoile modeste, dans une galaxie modeste. Il y en a des beaucoup plus grosses, des beaucoup plus petites, etc. Mais au moins, on est typique. Statistiquement, c'est normal. Donc voilà une Et alors, il faut savoir que dans une galaxie typique, comme la Voie lactée, il y a 2 à 300 milliards d'étoiles. Donc, de soleil. Bon. Après, on est dans les années 1920-1930. On commence à découvrir ce qu'avaient déjà soupçonné quelques théoriciens, mais on ne l'avait pas vérifié au télescope qu'il y a finalement des objets dans le ciel euh, qui ressemblaient pas à des étoiles. On ne savait pas trop ce que c'était, mais on avait fait la proposition que c'était peut-être des, on les appelait à une époque des univers îles cest c'est-à-dire peut-être en fait, d'autres voies lactées, d'autres voies lactées. Et aujourd'hui, on, on en est certains. Voilà. Donc il y a des galaxies qui sont d'autres voies lactées. Alors regardez le zoom qui suit, qui est l'un des plus spectaculaires qui soit. Cette structure gigantesque va devenir un point dans ce cliché-là, qui ne montre plus que des galaxies. Vous avez à peu près 10 000 objets dans ce, dans ce cliché-là qui sont des galaxies. Je répète, chacune des galaxies, chaque galaxie a des centaines de milliards d'étoiles. Et là, vous n'en voyez que des points. Alors là, intervient après, comme vous avez agrandi le champ de vue, vous êtes à une échelle d'au moins 100 millions d'années-lumière, ça veut dire que là, vous commencez à ressentir le décalage temporel. Vous vous dites, mais je ne vois rien de simultané. Ça n'a aucun sens de penser que je vois l'univers tel qu'il est aujourd'hui, puisqu'il faut attendre que la lumière me parvienne, et la lumière, ben, c'est super rapide en notre échelle, 300 000 km par seconde, c'est bon, Internet, machin, etc. Mais à l'échelle de l'univers, c'est un escargot. Et donc, il faut beaucoup de temps pour qu'elle se propage d'un endroit à l'autre de l'univers, donc on voit tout en décalage temporel. Donc, il y a des galaxies qui ne sont pas trop loin, celle-là, elle est peut-être, je ne sais pas, bon, à 20 millions d'années-lumière, donc on la voit telle qu'elle était, on la voit aujourd'hui telle qu'elle était il y a 20 millions d'années. Pour la galaxie, hein, on disait à table qu'il y a des astres que l'on voit aujourd'hui qui sont éteints. Pas pour les galaxies. Les galaxies ont des durées de vie de milliards d'années. 20 millions d'années pour une galaxie, c'est un clin d'œil. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, elle n'a pas changé. Mais en revanche, quand vous allez regarder un petit point infinitésimal là-dedans, c'est une galaxie qui est beaucoup plus loin. Elle peut être à des milliards d'années-lumière. Et là, on sait qu'elle a pu changer. Elle ne s'est pas éteinte, mais elle a évolué. Elle a changé. Et donc on commence à percevoir une véritable évolution dans l'histoire de l'univers. N'est pas identique à lui-même, il n'est pas éternel, comme on va le voir avec les modèles de Big Bang, il a évolué. Voilà. Euh, ensuite, dans ce cliché, vous pourriez dire Je vois un gros morceau de ciel. Il y a tellement d'objets, et gens... eh bien, figurez-vous que le champ de vue, vous montrez ici, le champ de vue découpé sur le ciel, ça correspond à peu près à, la tête à une tête d'épingle tendue au bout de bras, qui découpe sur le ciel un morceau infinitésimal, et avec un grand télescope, vous voyez 10 000 galaxies. Donc vous dites Je vais faire maintenant. Un scan général de la voûte céleste pour estimer le nombre de galaxies qu'il y a dans l'univers observable. Je ne parle même pas de l'univers réel, dont on ne sait même pas s'il est fini ou infini, mais déjà l'univers observable, c'est-à-dire accessible à -dire -ce que nos instruments, et on aboutit à l'idée aujourd'hui qu'il y a probablement mille milliards de galaxies dans l'univers observable. Alors, on a des instruments qui permettent de faire plus profondément, au lieu de regarder la tête d'épingle, on va regarder dans le chat d'une aiguille tendue au bout de bras, comme le télescope spatial Hubble, le fameux télescope de la NASA qui permet de faire ce, ces clichés de ciel profond où l'on voit des objets qui sont tous à, à plusieurs milliards de kilomètres, à plusieurs ben, milliards d'années lumière de nous, et donc on les voit finalement quasiment à leur naissance puisqu'on a fait une telle plongée dans le passé que notamment ces objets-là qui sont des galaxies, on les voit, on les voit jaunes par rapport à d'autres qui sont plus proches parce qu'on les capte aujourd'hui telles qu'elles étaient pratiquement à leur naissance. Et comme euh, J'espère avoir le temps de vous le dire rapidement dans quelques minutes. Ce sont les, les galaxies qui fabriquent les étoiles et ce sont les étoiles qui fabriquent les atomes dont nous sommes constitués. Et ce sont les atomes qui donnent des couleurs aux objets. Parce que les atomes, ils absorbent la lumière, et ils la filtrent et ils la réémettent dans d'autres domaines de longueur d'onde et donc ça donne des couleurs. Les galaxies très jeunes n'ont pas formé beaucoup d'étoiles, ils n'ont pas eu beaucoup de générations d'étoiles, donc elles sont relativement pauvres en atomes et donc pauvres en couleurs. Et donc, on voit à l'œil carrément une évolution de l'univers. L'univers d'il y a 10 milliards d'années qui est là n'est pas le même que l'univers d'il y a 50 millions d'années, parce que dans le champ, on a une galaxie plus proche de nous. Extraordinaire quand même, hein. juste à la vue, on comprend cette évolution de l'univers. Alors maintenant, pour finir ce, 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 cette révision du ciel, on va aller plus loin. Jusqu'où on va avec nos télescopes On va augmenter la puissance des télescopes, donc on va aller toujours plus loin dans l'espace, donc plus loin dans le, dans le passé. Ben Jusqu'où on va ben voilà Le zoom arrière, jusqu'à ce que ça nous conduit. Vous ne voyez plus rien. Pourquoi vous ne voyez plus rien ben Parce que vous êtes remonté à une époque où les galaxies, les étoiles ne se sont pas encore formées. On appelle ça parfois les âges sombres de l'univers. Ce sont les premiers âges, les premières centaines de millions d'années euh, de l'histoire de l'univers. Mais est-ce que c'est vraiment noir Parce que le noir, dès qu'on voit du noir, on pense au vide, à l'absence, au vide. Pas du tout. Pas du tout, ce n'est pas le noir. Il y a déjà de la lumière dans cet univers. Mais ce n'est pas une lumière que nous recevons directement. Enfin, si, on la reçoit cette lumière, mais ce n'est pas dans les longueurs d'onde habituelles, ce n'est pas dans la longueur d'onde visible qui nous permettait de représenter des belles photographies qui étaient prises dans le domaine optique. Voilà. Et en fait, cette lumière de cet univers très jeune, avant qu'il ne forme des étoiles des galaxies, elle nous parvient aujourd'hui, sous la forme d'un rayonnement qu'on appelle le rayonnement fossile j'y reviendrai tout à l'heure un peu plus en détail, qui s'observe dans le domaine des micro-ondes les mêmes micro-ondes qu'on a dans les fours. Voilà. Eh C'est dans ce domaine-là il reste un rayonnement résiduel de l'univers très primitif. Et donc, en mettant des fausses couleurs, on, peut, on le capte, ce rayonnement, et on peut le visualiser. On y met simplement des fausses couleurs. Et voilà, en fait, à quoi ressemble cet univers antérieur aux étoiles et aux galaxies. C'est un petit bout de cet univers-là. Ce sont les images les plus extraordinaires qui ont été obtenues pour l'instant dans toute l'histoire de l'astronomie. Ce n'est peut-être pas le plus spectaculaire, mais quand on sait vraiment de quoi il s'agit, c'est absolument incroyable. On voit ici les germes de tout ce qui a existé plus tard dans l'univers. En fait, c'est un plasma. Vous avez un gaz extrêmement chaud, l'univers très primitif. Il n'a pas encore eu le temps de former, je répète, des étoiles, des planètes, des galaxies. C'est un gaz extraordinairement chaud euh, qui est en expansion, qui se dilue et en se refroidissant, il forme des grumeaux. Comme une soupe qui se refroidit, vous faites des grumeaux, par exemple. Voilà. Et ces grumeaux, ils sont codés par des fausses couleurs. Voilà. Là, vous avez des grumeaux de densité différente, d'intensité lumineuse différente. On l'observe aujourd'hui avec un écalage de 14 milliards d'années, parce que ça, ça nous a ramené 14 milliards d'années en arrière, dans le temps, et en l espace, ça paraît un peu paradoxal, on voit jusqu'à 45 milliards d'années-lumière, parce que l'expansion de l'espace... Lumière est en expansion, je ne suis pas encore venu, mais vous le savez sans doute, à étirer le trajet du rayon lumineux. Donc, les rayons lumineux de l'univers primitif, qui voyagent depuis 14 milliards d'années à peu près, ils ont parcouru en réalité aujourd'hui 45 milliards d'années de lumière. Et donc, le, ici, c'est le, le mur au-delà duquel on ne peut plus voir euh, les, les choses. C'est la première lumière émise dans l'histoire de l'univers. Donc, ben voilà un petit peu ce, ce parcours assez bref. Je reviendrai un peu plus en détail maintenant sur chacune de ces étapes. Voilà, donc on va revenir <laughs> voilà. en venir à l'échelle de notre petit, voilà, notre petit monde à nous qui est notre système solaire. Alors rapidement, alors là, bon, les distances orbitales ne sont pas respectées, en revanche cette fois-ci, les tailles sont à peu près respectées. On voit bien qu'effectivement... La taille du Soleil par rapport aux tailles des planètes, c'est gigantesque, je répète, on peut mettre un million de fois la Terre dans le volume du Soleil, ou mille fois la Terre dans le volume d'une planète géante comme Jupiter. Donc je vous rappelle très brièvement, ce n'est pas trop le propos d'aujourd'hui, que sur les huit planètes principales du système solaire intérieur, les quatre premières sont de type terrestre, elles sont rocheuses, elles ont une surface solide, et les quatre suivantes sont gazeuses. Formés essentiellement d'hydrogène, elles n'ont pas, euh, pas de surface solide. Et entre les deux, entre Mars et Jupiter, normalement, dans les lois de la gravitation et des formations de système solaire, il devrait y avoir une planète. Puis, comme on va le voir, il n'y a pas une planète, mais des millions et des millions de petits corps, qui on appelle des astéroïdes, qui n'ont pas réussi à se coller ensemble pour faire une planète pour diverses raisons. Et ces astéroïdes jouent aussi un rôle euh, bien, euh, bien intéressant. Voilà. Alors après, évidemment, euh, comme je l'ai dit. Euh, le système solaire est très loin de s'arrêter là. Au-delà, il y a beaucoup, euh, beaucoup d'autres corps. Simplement, il a fallu attendre des développements relativement récents, des grands télescopes, pour commencer à découvrir, au-delà de Neptune et même au-delà de Pluton, qui ne fait plus partie du schéma euh, d'ailleurs de, 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 de planète, beaucoup d'autres corps, euh, des corps glacés euh, lointains du système solaire. Voilà. Et donc, euh, chacun de ces corps a ses caractéristiques. Chacun a son histoire, même s'ils sont tous nés à la même époque, dans les mêmes conditions. Après, ils ont suivi des chemins différents leurs évolutions ont bifurqué à partir de conditions initiales différentes et chaque étude de chacun de ces corps ouvre des perspectives extraordinaires. Donc par exemple Pluton euh, ben, a été exploré, on ne le sait pas trop, on ne va pas trop parlé de cette mission spatiale qui pour moi est quand même l'une des plus belles de ces dernières années une mission qui s'appelait les nouveaux horizons, New Horizons avec une sonde qui est partie en 2006 et qui au bout de dix ans a commencé à survoler Pluton. Là vous avez cette fois-ci des images de Pluton euh, mais vu sur place, et non plus à partir d'un télescope euh, autour de la Terre. Et carrément, vous trouvez sur sur YouTube, vous allez voir des animations, mais qui c'est pas des vues d'artistes. Hein, c'est réellement un montage d'images, de clichés, avec les, chaque bit d'information pour reconstituer l'image, qui mettent des heures pour arriver et on construit un film. On a un survol de la planète Pluton absolument hallucinant par cette sonde New Horizon. Ça s'est passé en 2015 et vous apercevez que Pluton, un petit corps glacé, il fait moins de 240 degrés dehors. Enfin, c'est absolument hallucinant. Et c'est encore qu'il y a une météorologie, une météo. Pourquoi Parce en fait, euh, évidemment, il n'y a pas d'eau liquide, bien entendu. Mais il y a quoi Vous avez du méthane, des lacs de méthane liquide, de l'ammoniac, etc. Et puis comme il y a des petites saisons sur Pluton, où la température monte de 5 ou 6 degrés l'été, euh, il fait toujours moins de 240, enfin, mais en tout cas, donc euh, le méthane commence à s'évaporer un peu, ça fait des nuages atmosphériques, vous avez une atmosphère de méthane, et puis de temps en temps, après, ça se refroidit, vous avez des pluies, des pluies acides, des pluies d'ammoniac, des pluies de méthane. Il y a tout un système météo absolument fascinant. Sur, sur Pluton. Et la sonde a continué son chemin, et elle continue son chemin d'ailleurs, euh, et elle a exploré en 2009, elle est passée à côté de ce corps un petit peu bizarre. Vous voyez, en fait, c'est deux, deux corps glacés qui se sont collés ensemble, euh, okay. qui provisoirement s'appellent ultimatulés, mais en fait, après, il y a des milliers et milliers d'autres corps. Et la sonde va continuer son chemin, et il lui faudra 40 000 ans pour commencer à quitter seulement le système solaire. Ben, les vitesses des sondes actuelles, c'est 60 km par seconde. C'est ridicule par rapport aux tailles, déjà, du système solaire, qui lui-même est ridiculement petit. Euh, voilà. Alors, bon, alors maintenant, je, je, rapidement, la, la question de la vie. Euh, ça, grande question, la vie ailleurs que sur Terre. On va commencer par Mars. Regardez Mars. Pourquoi Parce que ce cliché martien montre que dans le passé martien, il y a eu de l'eau. On voit visiblement, euh, voilà, le, les traces de cette, de, de cette érosion. Donc, euh, on fait un pari scientifiquement raisonnable en se disant, la vie, c'est quoi On ne sait pas trop, bon, bon, voilà. Mais on se dit, il y a au moins des conditions minimums. La vie, il faut la chimie du complexe. La chimie du complexe, c'est la chimie du carbone, la chimie, or, la chimie organique. Bon, OK, ça va, le carbone, il est présent partout, c'est un processus naturel. Bon, après, il faut euh, un fluide liquide pour propager les interactions entre... Le, les molécules pour faire vraiment du complexe. Ben, C'est l'eau, H2O, à l'état liquide, donc il faut une plage de température favorable pour ça. Mais après, évidemment, il faut une source d'énergie. Bon, il y en a partout, l'énergie interne des planètes, l'énergie du Soleil, et ainsi de suite. Voilà. On se dit que, au minimum, ces trois, trois conditions pour que la vie émerge. Voilà. Mais il y a peut-être beaucoup d'autres paramètres que nous ne maîtrisons pas qui sont nécessaires. On ne le sait pas. Ben, en se réduisant simplement à ce pari, ben, le, Mars, dans sa jeunesse, dans sa prime jeunesse, formée à peu près à la même époque que la Terre, a connu les mêmes conditions que la Terre primitive. Et donc on peut dire il ben, y a peut-être eu la vie est apparue sur Mars à la même époque que la vie est apparue sur Terre. Sur Terre, c'est-à-dire des au des océans, sous forme de bactéries extrémophiles, extrêmement simples, etc. Et la vie est restée comme ça sur Terre pendant 2 milliards d'années, c'est pas sorti des océans. Euh, voilà. Et sur Mars, ben, le destin de Mars a bifurqué. Mars a perdu son atmosphère. Euh, il a eu très froid, il fait moins 60 degrés en moyenne, il n'y a plus d'eau liquide, de l'eau est congelée. Euh, et donc s'il y a eu des bactéries martiennes, rien ne le garantit. Je répète, c'est un pari scientifique que l'on fait raisonnable, mais il n'est pas du tout garanti. Euh, ben, Elles seraient fossiles. Donc ça justifie les, les, les recherches actuelles et les investissements relativement modestes que l'on fait pour explorer Mars. Quand Je dis relativement modeste, on s'interroge souvent sur le coût de, des budgets spatials, pourquoi on va dépenser tant d'argent alors que sur Terre il y a tant de problèmes à régler, c'est vrai. Mais enfin bon, voilà. grosso modo, le, le, coût total des missions, le coût total annuel des missions martiennes, toute agence confondues, c'est 500 millions de dollars. Bon, voilà. J'aime bien euh, des fois rappeler que la société américaine qui s'appelle Mars qui vend des friandises, hein, les barres chocolatés, les chewing-gums, etc., son chiffre d'affaires annuel c'est 60 milliards de dollars. Hein voilà. Donc grosso modo 60 fois le budget annuel consacré à l'exploration de la planète Mars pour euh, un autre propos que de consommer des friandises, carrément résoudre la question, sommes-nous seuls dans l'univers ou pas. Bon, on n'a pas encore de réponse, comme vous le savez sur Mars. Peut-être qu'il n'y a jamais eu de vie sur Mars. Peut-être qu'il y en a eu, on l'a pas encore trouvé, qu'on en trouvera peut-être jamais. Elle est trop cachée. On va un peu plus loin et dans le système solaire plus lointain, autour des grandes planètes gazeuses, il y a des satellites glacés. Euh, je vous en montre deux et dans ces satellites glacés, on soupçonne qu'il fait très froid, donc c'est couvert de glace. Mais sous la glace, il y a un cœur chaud et donc entre le cœur chaud et la glace, il y a un océan subglaciaire. Et on est en train de soupçonner aujourd'hui qu'il y a peut-être des des lieux dans le système solaire encore plus intéressants que Mars, et il pourrait y avoir des bactéries, mais qui sont plus fossiles, qui vivraient dans des océans subglaciaires. Et on a donc des, des missions spatiales programmées, en fonction des budgets pour les, les prochaines années, décennies, qui vont explorer de très très près, par exemple, Europa, avec des fractures. Ça, ce sont des fractures dans la glace qui permettraient éventuellement d'accéder à, à l'océan subglaciaire et d'en faire des prélèvements. Et on pourrait y trouver carrément. Euh, ben les, les, les bactéries cousines des premières bactéries terrestres, ce serait encore plus, euh, plus étonnant et plus spectaculaire que les bactéries euh, de Mars. Mais je répète, rien ne garantit. Il y euh, on sait qu que... Pardon Il y fait quelle température, on le sait ou pas Alors Absolument, oui, bah, au niveau, à ce niveau-là, dehors, il fait bon, dans les moins 180 degrés. Enfin, c'est pour ça que c'est recouvert de glace. Donc, il faut aller sous la glace euh, pour trouver cet océan, cet océan liquide. Bon, tout ça nous amène aussi, euh, je vais un petit peu vite sur le système solaire, tellement que j'ai des choses à vous raconter, sur l'origine du système solaire. Comment s'est-il euh, formé ben, Le système solaire, il s'est formé comme se forment les étoiles, hein, c'est la formation d'une étoile avec des petits corps autour qui sont des planètes, par l'effondrement d'un grand nuage de gaz. Euh, essentiellement de l'hydrogène et d'autres traces d'éléments. Et euh, cet événement a probablement été déclenché, selon les théories, puisque vous allez voir, ça a été confirmé récemment par des observations étonnantes, a été déclenché par euh, un événement extérieur qui serait l'explosion d'une étoile. Les étoiles en fin de vie, en tout cas les étoiles massives, explosent violemment. On appelle ça des supernovas. Ce sont des phénomènes cataclysmiques qui projettent dans l'espace les couches gazeuses de l'étoile. Euh, et qui agissent comme un véritable bulldozer dans l'espace. Et ces couches gazeuses à grande vitesse peuvent déstabiliser un nuage d'hydrogène, le faire s'effondrer et déclencher la naissance de nouvelles étoiles. Donc on va avoir une mort d'étoile cataclysmiques qui va déclencher par contre-coup euh, la naissance de nouvelles étoiles. Et on, on a pensé que notre système solaire était né comme ça. Euh, simplement, après, il fallait le dater, euh, pourquoi, comment, etc. Et donc, euh, on a des éléments extraordinaires euh, qui sont des météorites, et, euh, qui se sont. De, les petits cailloux. Les météorites, c'est les cailloux qui tombent, qui tombent du ciel sur Terre. La plupart des météorites viennent de bouts d'astéroïdes, ce genre de choses, mais un, une certaine fraction de météorites viennent de la nébuleuse pré-solaire. Ce sont des grains de poussière qui étaient déjà présents à l'époque, qui se sont condensés pour former des cailloux, des petits cailloux, qui n'ont pas, pas été incorporés dans le soleil ou dans les planètes, qui se sont baladés dans le système solaire, et de temps en temps, il y a une qui passe près de la Terre, c'est capturée, ça tombe sur Terre. Et donc on a un bout de la nébuleuse primitive euh, qui arrive sur Terre. Et comme vous savez, donc typiquement, ça s'est passé euh, notamment en 1969, il y a une météorite comme ça qui est tombée au Mexique, euh, ça tombait bien, c'était l'époque des missions Apollo, et donc on avait le laboratoire d'analyse de roches lunaires qui venait juste de se construire au Texas, à Houston, donc on embarque les, les morceaux de la météorite euh, d'origine pré-solaire et on peut les dater. Voilà. Et on fait des datations radioactives et on a trouvé l'âge de la météorite qui est l'âge du système solaire. Et donc voilà, l'âge c'est 4,568 milliards d'années, une précision tout à fait étonnante sur l'âge de, de notre petit monde à nous. Et puis non seulement l'âge, une sorte d'acte de naissance, mais quand vous allez à la mairie déclarer un bébé, vous avez l'acte de naissance, vous mettez la date de naissance et en principe vous indiquez le nom des géniteurs, des parents. D'une certaine façon, on a aussi l'idée que le géniteur de tout ça, ça a bel et bien été une étoile qui a explosé. Euh, parce qu'on a les traces, de, les calculs d'explosion d'étoiles euh, produisent des éléments isotopiques particuliers dans le météorite que l'on retrouve. Voilà, donc on a donné un nom à cette étoile euh, qui serait l'origine de notre petit monde à nous. C'est un nom aztèque, Coatlicue, qui signifie la mer du Soleil, tout simplement. Et nous avons fait des atomes de cette étoile-là. L'étoile étoile a explosé, elle a déclenché d'abord la naissance de nos systèmes solaires, et puis elle y a injecté tous les atomes qu'elle a fabriqués, qui se retrouvent aujourd'hui. Dans nos corps, ce qui fait dire que nous sommes des poussières d'étoiles sur lesquelles euh, je reviendrai rapidement. Un petit mot sur les astéroïdes. Voilà, je disais qu'entre Mars et Jupiter, c'est un schéma évidemment, il y a des millions de petits corps qui n'ont pas pu réussir à s'assembler euh, pour former une planète, probablement à cause de l'influence de Jupiter. Juste pour l'anecdote, il y a l'un d'entre eux. Euh, numéro 5523 qui a été découvert en 91 au Mont Palomar. Qui porte mon nom, c'est un titre honorifique, c'est pas un titre de propriété malheureusement. Mais ça fait plaisir de voir la communauté qui reconnaît mes travaux compliqués sur les trous noirs qui n'ont rien à voir avec les astéroïdes. Bon, voilà, j'ai mon petit caillou euh, euh, qui est plus gros que celui du Petit Prince quand même. Il doit faire une dizaine de kilomètres hein, de, de taille. Euh, voilà, mais c'est pas un titre de propriété. Voilà. Et c'est bien dommage parce que euh, les astéroïdes, l'un des intérêts des astéroïdes, c'est que ça représente un potentiel économique fabuleux. Ce sont les futures mines de l'espace. Les astéroïdes sont faits des mêmes matériaux que la Terre, simplement ils sont distribués différemment. Et donc euh, au lieu d'aller chercher, creuser euh, euh, très profondément des mines pour euh, trouver les matériaux lourds, ils se trouvent à la surface des astéroïdes parce que les astéroïdes n'ont jamais fondu. Donc, euh, tout ça, et donc un jour on ira gratter la surface des astéroïdes pour ramener les matières premières dont on a besoin, le cobalt, le tungsten, le platine, les terres rares, tout un ensemble de choses. Et c'est une industrie euh, qui va être représentée euh, des milliers de milliards de dollars dans la deuxième moitié du siècle, au point qu'il y a des, déjà des start-up qui se sont créées euh, pour commencer à faire cette exploitation minière des... Euh, des astéroïdes. Bon, rapidement, je passe à l'autre échelle, à l'échelle des étoiles. Juste l'intermédiaire, c'est ce qu'on appelle les exoplanètes. C'est-à-dire, ce sont les planètes qui sont en orbite autour d'autres étoiles que le Soleil. Ce dont on soupçonnait l'existence, déjà depuis Galilée et Kepler, mais on n'avait pas les moyens télescopiques de les mettre en évidence. Il a fallu attendre 1995 pour enfin détecter pour la première fois euh, une planète en orbite autour d'une étoile. Si vous avez suivi l'actualité récente, dans l'attribution du dernier prix Nobel de physique il y a moins d'un mois, euh, ben, deux des trois lauréats, euh, ce sont les deux qui ont fait les premières observations euh, d'une euh, exoplanète. Ils l'ont d'ailleurs fait pas loin d'ici, puisque c'était à l'Observatoire de Haute-Provence, euh, où la première exoplanète a été montrée. Ceci est évidemment une vue d'artiste, hein, euh, qui simplement rappelle qu'autour de chaque étoile, il doit y avoir des planètes. Alors faisons le bilan maintenant. Comment il y en a eh ben, Je vous disais euh, tout à l'heure qu'il ait... Enfin, non, je ne vous l'ai pas dit, mais on estime qu'il y a à peu près en moyenne, hein, c'est une statistique, 1000 milliards de planètes dans une galaxie. Tout simplement, je vous ai dit qu'à 2 à 300 milliards d'étoiles, si vous comptez 3 à 4 planètes autour, ça fait à peu près 1000 milliards de planètes par galaxie. Puis je vous ai dit que dans l'univers observable, il y avait 1000 milliards de galaxies. Donc si vous comptez, ça fait 1 million de milliards de milliards de planètes dans l'univers. Alors c'est une preuve de rien, sinon qu'il y en a beaucoup, mais pour la vie... Ce n'est pas une preuve que la vie existe, mais c'est quand même un argument quand même assez fort. On dit, comment s'il y a un million de milliards de milliards de planètes et la Terre serait la seule à avoir une vie Ce pas possible. Voilà. Donc on a tous envie d'y croire. Et le problème c'est que tant qu'on n'a pas une première preuve, ben on ne peut pas l'affirmer. C'est pour ça que voilà, les bactéries martiennes et ainsi de suite, ce serait un événement majeur dans l'histoire de l'humanité qui est très attendu. Bien. Alors rapidement, la vie est l'œuvre des étoiles. On passe maintenant à l'échelle des étoiles. Vous voyez un cliché astronomique magnifique où on voit que ben, les étoiles ne sont pas dans le noir, ne sont pas dans le vide, elles le baignent dans ce qu'on appelle le milieu interstellaire riche de toutes ces couleurs. Euh, et c'est à partir de ce milieu interstellaire que les étoiles se forment par, euh, par condensation. Et on peut retracer aujourd'hui toutes les étapes euh, de la vie et de l'œuvre des étoiles. Bien. Voilà. Alors. D'abord, il faut savoir comment ça fonctionne, une étoile. Prenons le Soleil, tout simplement. Pourquoi il brille, le Soleil Et bien Parce qu'au cœur du Soleil, il fait très chaud. Et à 15 millions de degrés, le Soleil, qui est essentiellement composé d'hydrogène, ben l'hydrogène rentre dans des réactions dites de fusion thermonucléaire qui libèrent une quantité d'énergie phénoménale. Et ça, c'est l'énergie du Soleil, en tout cas la moitié. La moitié de l'énergie du Soleil, c'est l'énergie libérée, l'énergie électromagnétique libérée au cœur du Soleil. L'autre moitié, je n'ai pas le temps de nous en parler, c'est évacué par des particules élémentaires qu'on appelle des neutrinos et qui sont bel et bien détectées également par des instruments radicalement différents. Donc il y a un équilibre. À partir du moment où l'étoile fonctionne de cette manière-là, il y a un équilibre entre sa tendance un petit peu à, à se dilater sous cette énergie sortante et puis la tendance à se comprimer sous l'effet de la gravité. Et l'étoile va passer l'essentiel de sa vie dans, cette, dans cet équilibre-là. Et forcément, il y a un moment où l'équilibre va cesser, puisqu'il va y avoir de carburant. Donc une étoile typique comme le Soleil, c'est 10 milliards d'années, la durée de vie stable. Donc comme vous vous souvenez, le Soleil, il y en a 4,5, il est en plein milieu de santé, en plein milieu de vie, comme nous, c'est bon, tout va bien. Voilà. Et puis il y a un moment où le Soleil va se mettre à, à changer de structure, parce que le débit de réaction thermique va, va baisser. Et dans un premier stade, le Soleil va se mettre à gonfler, à gonfler, à gonfler, à se dilater. Et le sort final du Soleil, il est bien compris par les, les lois d'évolution stellaire, euh, ben dans 5 milliards d'années, ça c'est un montage, le Soleil se sera tellement dilaté qu'il englobera l'orbite de la Terre. Donc la, mort, la fin de la Terre, et, elle est liée évidemment à la dilatation extrême du Soleil. La Terre finira par fondre dans l'atmosphère hyper dilatée euh, du, euh, du Soleil. Voilà. Et ça, c'est une vraie image astronomique qui montre aujourd'hui une étoile de type solaire en train de, de mourir lentement en distribuant dans l'espace interstellaire son atmosphère qui finit par se diluer dans le milieu interstellaire. Et cette atmosphère, il y a les atomes de carbone et d'oxygène qui ont été fabriqués par les réactions thermonucléaires, qui vont jouer un rôle chimique important. Mais sauf que, je vous disais tout à l'heure, on est poussière d'étoile. Il y a autre chose en nous que le carbone et l'oxygène et l'hydrogène. Il y a le reste, le fer, etc. Donc, comment comprendre l'origine de ces éléments eh bien, on a compris que ça se produit dans une autre catégorie d'étoiles, plus rares, une étoile sur dix, mais c'est elle qui joue le rôle essentiel dans l'univers, dans la chimie de l'univers. Ce sont des étoiles très massives qui, à la fin de leur vie, explosent beaucoup plus brutalement. Ce sont les fameuses explosions de supernova. Alors, j'ai déjà parlé. Non seulement elles sont capables, par leur mort cataclysmique, de déclencher la naissance de nouvelles étoiles, mais surtout, elles ont fabriqué dans l'explosion toute la chaîne. Des éléments chimiques qui sont dans le tableau périodique des éléments. Voilà. Et donc, ce sont ces éléments qui se retrouvent en nous, dans nos corps, et dans la table. Enfin, tout, 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 tout est fait, de, euh, euh, toute la matière ordinaire est constituée de ces éléments-là. Ce qui a fait dire, donc, euh, nous sommes poussières d'étoiles, ce n'est pas de la poésie, c'est de l'astrophysique bien comprise. On a l'origine des éléments euh, de la matière atomique ordinaire dont jusqu'à présent, donc jusqu'à il y a 20 ans, on pensait que c'était la matière universelle, mais si j'ai le temps de vous le dire, on a découvert quelque chose récemment, un film extraordinaire, c'est que cette matière atomique que l'on croyait être universelle ne représente au mieux que 5% de la matière totale qu'il y a dans l'univers. Donc on va se poser la question, c'est quoi le reste Je vais y venir. Euh, alors maintenant, il y a une catégorie d'étoiles encore plus extravagante, une étoile sur 10 000, etc., extrêmement massive. Ce qui va nous intéresser là-dedans, que je vais abréger, c'est qu'est-ce qui va se passer au centre de l'étoile Eh bien, le centre de l'étoile, une fois qu'il n'y a plus de réaction nucléaire il va s'effondrer sur lui-même, ce qu'on appelle l'effondrement gravitationnel. Et on a des lois de la physique actuellement connues qui nous disent qu'au-dessus d'une certaine masse critique, qui est à peu près trois fois la masse du Soleil, l'effondrement, c'est-à-dire ce qui va faire se contracter l'étoile, ne peut pas être arrêté par une, une résistance à la matière, évidemment, à mesure qu'elle se comprime, elle devient de plus en plus résistante. Et bien, il y a un moment où la matière ne résiste plus à rien. Et donc, les théories prédisent la formation de l'objet le plus extravagant de l'astrophysique, où j'ai consacré tant de décennies de travail, c'est le trou noir. Et là, on rentre maintenant dans les choses les plus fascinantes de l'astrophysique, parce que cette fois-ci, on a un objet. Où, pour le comprendre... Bah, il faut oublier un petit peu tout ce qu'on apprend euh, les lois de la physique à l'école. Il faut passer à la théorie d'Einstein, la relativité générale, l'espace-temps courbe, la physique quantique, euh, etc. Voilà. Donc moi, je me suis plongé dans ces, dans ces affaires-là euh, dès la fin des années 70, quand j'ai commencé à faire mes recherches. Donc, très brièvement, hein, l'idée de, de la relativité générale, qui est la théorie de la gravitation, nous dit que finalement, c'est comme si l'espace-temps dans lequel on, on vit, c'est une sorte de, de tissu. Alors, ce n'est pas à deux dimensions, évidemment, mais pour les besoins de la visualisation, c'est à deux dimensions. Un tissu élastique, euh, il est souple. Donc, quand vous avez un corps céleste massif, eh bien il va engendrer une petite déformation du tissu. Et au plus il est massif et dense, au plus la déformation est grande. C'est ça, en fait, les équations d'Einstein l'île le degré de courbure de l'espace-temps à la force de gravité. Et finalement, nos théories nous disent qu'il ben, y a une situation. Particulière, bon, ça c'est un, un champ de, de, de faible gravité comme système solaire, ça c'est un champ de plus forte gravité, et il y a des situations dans les fondements gravitationnels où on a carrément, au lieu d'avoir une petite déformation, on a carrément un trou, un puits, un puits de gravité. Un puits, ça veut dire quoi que Si vous franchissez le bord du puits, vous ne pouvez pas ressortir. Donc le bord immatériel du puits, euh, s'appelle un horizon des événements. Pourquoi ça s'appelle horizon des événements Parce que ça veut dire que les événements, les points de l'espace-temps qui sont dans le puits, pour tout observateur qui est à l'extérieur, c'est caché derrière quelque chose qui est un horizon au-delà duquel on ne peut pas voir. Et cet horizon des événements, c'est quoi ben, C'est la surface de ce qu'on appelle un trou noir. Donc le trou noir, c'est une zone de l'espace-temps tellement courbée que ça piège la matière et la lumière. Donc, grande question, prédiction théorique. Maintenant, comment mettre ça en évidence Par l'observation, puisque c'est noir, le trou noir, il ne met pas de lumière. C'est la grande question qu'on se pose dans les années 70, voilà. Et donc j'arrive dans cette affaire-là, passionné par ces choses-là. Alors à l'époque, on commence à avoir des signatures indirectes, on voit pas du tout les trous noirs, mais on a des signatures indirectes, on fait des modèles de chute de matière dans un trou noir, etc., etc. Et ça, bon, voilà. plus récemment, je vais vite parce que je ne veux pas me dépasser trop, on a détecté des choses plus directes, qui sont des fusions de trous noirs et qui ont produit ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles, qui ont été détectées en 2015. Mais ce que je voudrais raconter, un petit épisode un peu plus personnel de mon, euh, de mon histoire, c'est euh, voilà dans mes grandes aventures intellectuelles en tant que donc euh, voilà physicien théoricien, astrophysicien théoricien. Ben la première, c'est en 1978, donc il y a un peu 41 ans, où j'ai fait la première simulation numérique permettant de visualiser à quoi ressemblerait un trou noir, mais vu vraiment de près ou alors vu de loin, mais avec un télescope géant, c'est-à-dire avec une bonne résolution. Voilà. Donc, euh, je passe sur les détails de cette histoire. Euh, j'ai fait des, des calculs numériques, les ordinateurs de l'époque, cartes au etc. Bref, j'ai publié donc cette première image de trou noir entouré d'un disque de gaz chaud, euh, avec des effets de distorsion euh, que j'ai pas le temps, hein, que j'ai voilà, pas le temps de vous expliquer. Mais c'était la première fois que l'on donnait à voir quelque chose qui un jour pourrait être vu éventuellement en construisant des instruments euh, géants. Ce qu'à l'époque, d'ailleurs moi-même, je ne soupçonnais absolument pas que de mon vivant on puisse effectivement parvenir à construire des télescopes suffisamment vastes pour observer euh, ces, euh, ces, euh, ces choses-là. Voilà. Et puis il se trouve que euh, il existe des trous noirs absolument gigantesques. Notamment, il y en a un qui est au centre d'une galaxie très lointaine, qu'on appelle Messier 87. Euh, le trou noir, il fait 40 milliards de kilomètres en taille. C'est gigantesque. Mais il est tellement loin, euh, essayez de le voir, c'est comme si vous essayiez de voir à l'œil nu une pièce d'un euro placée sur la Lune. Donc il faut autre chose, il faut des agrandissements extraordinaires. Voilà. Et bien, donc il se trouve que depuis 15 ans, il y a des radioastronomes qui ont décidé de mettre ensemble. Des radiotélescopes répartis sur la planète entière pour faire un gigantesque réseau, donnant l'équivalent d'un instrument unique qui a la taille du réseau. Et donc ce projet s'appelle l'Event Horizon Telescope. Voici les télescopes qui ont été utilisés. Ça est l'équivalent, en les faisant fonctionner ensemble pour observer le même objet au même moment, vous avez l'équivalent d'un télescope de taille planétaire, 10 000 km. Donc vous augmentez la résolution. Et ils avaient calculé qu'on arriverait juste à la résolution suffisante pour capter la, la pièce d'un euro sur la Lune, c'est-à-dire le trou noir au centre de, de la galaxie, mais 87 et donc ça a été un des grands moments de l'année 2019 puisque l'image a été effectivement délivrée, l'image télescopique a été délivrée euh, en avril 2019 euh, et elle confortait, elle confirmait euh, ben les calculs que j'avais fait 40 années euh, 40 années auparavant. Oui, aussi. Mon petit pin qu'on m'a donné quand je suis allé à l'université de Harvard pour rappeler un petit peu tout ce travail euh, à intérieur euh, au mois de mai. Hein. Voilà cette, euh, cette image fascinante. Alors c'est un beau bon moment effectivement dans la dans la vie d'un chercheur, de voir une confirmation de, voilà, de, de, de calculs que l'on avait fait, mais c'était relativement attendu, parce que je savais très bien qu'en utilisant correctement les équations de la relativité, on devait calculer correctement une image. Et en plus, je me souviens, à la fin de mon article, publié donc au mois de janvier 1979, donc il y a un peu plus de 40 ans, j'avais dit explicitement, bah, peut-être que le premier trou noir que l'on verra un jour, c'est le trou noir qui est au centre de Messier 87. Bon, voilà, et il se trouve que c'est bel et bien celui-là. Voilà. Corrélation avec les simulations numériques. Une deuxième aventure intellectuelle euh, que j'ai faite, euh, qui a suivi de près, c'est que c'est moi, physicien théoricien, moi ce qui m'intéresse, c'est d'ouvrir des pistes. Et après, une fois que la piste est ouverte, c'est d'autres qui travaillent dessus, et moi je passe à une autre piste. Ça, c'est le côté créatif que j'ai toujours cherché dans ce métier-là. Voilà. Et donc, dès que j'ai calculé l'image du trou noir, je suis passé à autre chose. Et j'ai continué à réfléchir sur des signatures, permis, des signatures indirectes permettant de détecter des trous noirs. Et je me suis dit, bah, tiens, prenons, sur le vu d'artiste évidemment, prenons un gros trou noir qui ressemble à une galaxie. Bon, à l'époque, ça restait hypothétique, mais c'était possible. Euh, imaginons une étoile qui va frôler le trou noir. Eh bien, les lois de la relativité nous disent que dans une zone autour du trou noir, voilà, euh, il y a une zone où l'espace-temps est tellement distordu que l'étoile elle-même qui va y pénétrer va être distordue, euh, étirée, écrasée. Est euh, détruite, finalement. Et une étoile qui est détruite, ça fait quoi ben, Ça libère du gaz et ça fait beaucoup d'énergie. Voilà. Et donc j'avais calculé euh, euh, que l'étoile était aplatie sous forme de crêpe gazeuse qui finissait par faire une grande flambée de rayonnement. Les crêpes, c'est la flambée. Voilà. Et donc j'ai super pas mal amusé avec ça parce qu'il y a aussi une composante ludique intéressante dans la recherche scientifique. Recherche... Une poignée d'équations, pour prédisez des phénomènes. Et ces phénomènes-là ont bel et bien été observés une dizaine d'années après. Et donc aujourd'hui, c'est une véritable industrie de, de détecter chaque semaine à peu près ce genre de crêpe stellaire flambée qui, euh, qui se produit dans des galaxies euh, extrêmement, euh, extrêmement lointaines. Voilà. Alors on en finit maintenant avec euh, ben les plus grandes questions, les plus compliquées, le big bang. Au plus on va s'éloigner dans l'espace et le temps, on va explorer des mystères du cosmos de plus en plus profonds, et au plus ça va aller à l'encontre de ce que l'on appelle le bon sens. Le bon sens, c'est nous, dans notre cerveau, notre système de perception, qui par l'évolution, euh, ces sélections naturelles, s'est adapté à notre environnement immédiat. Et l'environnement immédiat terrestre, il n'a rien à voir avec le Big Bang, avec les trous noirs. C'est pas relativiste, les vitesses sont faibles dans la vitesse de la lumière, les champs de gravité c'est faible, etc. Donc toutes les notions qui émergent naturellement, le vrai univers, c'est un univers fortement courbé, euh, avec euh, des vitesses énormes, etc., euh, nous, nous, on, on a du mal à visualiser. Il n'y a que les équations qui permettent de le faire. Voilà. Donc en euh, mesure qu'on va se rapprocher de ces choses-là, on va avoir des phénomènes de plus en plus étonnants. Alors, ça, c'est un champ de galaxie. Et puis vous savez sans doute que l'une des grandes découvertes euh, du XXe siècle c'est de s'apercevoir que les galaxies semblent se séparer au cours du temps les unes des autres non pas parce qu'elles bougent elles-mêmes à toute allure c'est parce que l'espace qui les contient se dilate au cours du temps ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. Alors un petit peu donc si on savait toujours dans mon tissu à deux dimensions au cours du temps le tissu se dilate donc les, les objets qui sont dans le tissu ils ont à peu près la même position mais comme c'est le tissu se dilate eh bien, on a l'impression que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Voilà, Donc, ça, ça date des années 1920, euh, moins d'un siècle. Alors, à partir du moment où l'univers est en expansion, ben, la grande question, c'est vous remontez le film à l'envers. Remontant le film à l'envers, ça veut dire que dans le passé, au contraire, l'univers va être de plus en plus petit, jusqu'où ça va aller. Voilà. Ben, les modèles de Big Bang émergent de cette réflexion-là. Il a dû y avoir un moment dans le passé, non pas le passé infini, mais un passé fini. Il va se compter une quinzaine de milliards d'années aujourd'hui, comme on le sait, où l'univers a commencé. Alors, est-ce que c'est un vrai commencement Est-ce que c'est le vrai commencement du temps C'est un peu embêtant. Imaginez un bord temporel, ça veut un paradoxe. Mais au moins, on peut dire que l'univers d'il y a plus de 10 milliards d'années, il était très très chaud, très très dense. Très, très dense. Euh, donc, ce qu'on va appeler donc, le Big Bang, qui donne d'ailleurs le terme lui-même, il a été utilisé par dérision. Le, la théorie du Big Bang a été élaborée essentiellement dans les années 1930. Par un bonhomme qu'on ne connaissait certainement pas, qui s'appelle Georges Lemaître, qui est un physicien belge absolument génial, qui a bâti tout ce modèle-là. Et pendant une décennie, personne ne le croyait, pratiquement. Voilà. Il a fallu attendre des observations pour confirmer ce, ce modèle. Et à l'époque où il s'était très contesté, pour se moquer du modèle, on l'a appelé, l'adversaire principal, on l'a appelé le Big Bang ou le Grand Boom. Comme si c'était une grande explosion, pour, absolument, voilà, pour, pour ridiculiser, parce qu'évidemment le Big Bang n'a rien d'un grand bout, mais n'a rien d'une explosion, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc c'est pas ça le Big Bang en général, le Big Bang, on imagine ça, un centre d'explosion, un espace préexistant qui va projeter la matière, le... absolument pas, le Big Bang crée l'espace et le temps, donc il n'y a pas d'espace préexistant. existant voilà. Donc c'est un peu difficile à, 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 voilà, à visualiser intérieurement, mais avec les équations il n'y a pas de problème. Bon. On a aujourd'hui ce qu'on appelle le modèle standard du Big Bang. Le modèle standard du Big Bang nous raconte l'histoire de l'univers à partir d'un hypothétique début du temps, qui est probablement pas le vrai temps zéro, donc on met un point d'interrogation, mais on peut compter le temps en secondes, en fractions de secondes, puis en, année, en milliard années, en milliards d'années, etc., jusqu'à aujourd'hui. Et puis après, extrapoler même vers le futur avec différentes phases de l'univers. Donc, peu après le Big Bang, ben, l'univers est incroyablement concentré, donc très chaud, très dense, c'est un gaz, un plasma, il n'y a pas d'étoiles, pas de galaxies, etc. Voilà. Donc, et l'univers est gouverné euh, par ce qu'on appelle les phénomènes de la physique quantique, la physique de l'infiniment petit. Pour l'instant, on n'a que des théories en construction qui ne disent pas grand chose sur cette phase-là. J'y reviendrai peut-être euh, à la toute fin. Très bientôt, rassurez-vous. Après, l'univers a connu une ère opaque qui a duré 380 000 ans. C'est-à-dire que c'était encore en placement, en expansion, et la lumière ne se propageait pas. Donc on ne le verra jamais, cet univers, au télescope. Voilà. En revanche, heureusement pour les astronomes, l'univers est devenu transparent, et nous sommes dans l'ère transparente, et la transition, ben, c'est l'origine de la lumière. Et cette origine de la lumière, je vous ai déjà montré tout au début, quand j'ai fait ma petite révision du ciel, euh, le petit bout que je vous ai montré, c'était un petit bout de ce qu'on appelle le rayonnement fossile. Cette lumière émise il y a quasiment 14 milliards d'années, alors que l'univers n'avait que 380 000 ans, il reste un rayonnement résiduel aujourd'hui, que nous captons dans le domaine des micro-ondes. Et donc c'est pour ça qu'on a fait ces cartes absolument incroyables. Euh, carte 2015, c'est du récent que je vous raconte, hein, même donc, si c'était prévu par la théorie, où on montre finalement la structure de ce rayonnement fossile avec les grumeaux, où je disais que c'était, on trouvait là l'origine de toutes les structures qui allaient se former par la suite il euh, y a une analogie musicale que j'adore beaucoup, je suis un passionné de musique, pas le temps de vous en parler mais on peut faire en fait, on peut utiliser des, des modes de décomposition harmonique, comme on peut décomposer les modes vibratoires d'un instrument de musique pour décrire le jeu d'univers, comme si c'était une sorte de tambour cosmique, et donc chaque mode vibratoire fondamental en, en étudiant les corrélations compliquées entre les, euh, la distribution du grumeau nous donne des informations sur l'univers sur la nature de l'univers, comment il a vibré, pourquoi il a vibré, pendant combien de temps de quoi il est fait, euh, est-ce qu'il courbé ou pas courbé, tout un ensemble de choses. Voilà. Et donc, on a ces informations incroyablement précieuses depuis, euh, depuis, quelques, voilà, depuis quelques années. Alors, dans mes aventures intellectuelles, la troisième que je citerai, ça a été aussi un bon moment, c'est qu'à un moment, voilà, j'ai développé... Euh, avec euh, des, des, des collègues mathématiciens des modèles oh ben l'animation ne marche pas mais c'est pas grave voilà. des modèles, je suis appelé des modèles d'univers chiffonné où j'ai importé dans les modèles de Big Bang des résultats nouveaux de la, euh, de la branche de la géométrique c'est pas la topologie qui euh, propose des formes d'espace tout à fait bizarres que j'ai appelé chiffonnées, et qui créent des illusions d'optique voilà. Euh, voilà ça a été un, un grand moment parce qu'encore encore une fois c'était des travaux pendant 10 ans complètement théoriques ils d'équations l'équation etc. mais on faisait des prédictions euh, des prédictions euh, observationnelles, et puis euh, en 2003, il y a eu des observations du rayonnement fossile, il y avait des anomalies bizarres du rayonnement fossile, qui nous a permis de, de proposer un modèle spectaculaire, qui a fait la une de la revue Nature, à l'époque, tous les journaux en ont parlé, on appelait ça le modèle de l'univers ballon de football, ce genre de choses, bon, ça n'a rien à voir avec un ballon de football, évidemment, euh, bon, bon c'était un, euh, voilà, un bon moment où nous proposions donc une forme très particulière pour, euh, pour, euh, pour notre univers. J'en viens, j'arrive à la fin, rassurez-vous. Alors finalement, toutes ces analyses, euh, décomposition de rayonnements fossiles, et tout là, nous donnent les paramètres fondamentaux qui régissent notre univers, donc qui vont permettre de décrire son histoire, son évolution et peut-être son destin futur. Donc l'âge de l'univers, c'est 13,81 milliards d'années. Et là où c'est plus intéressant, parce que c'était tout à fait attendu, c'est la composition. De quoi est fait l'univers pour avoir vibré de façon à vibrer le tambour cosmique, pour rendre compte de la structure des rayonnement fossile. Ben, L'univers, il est fait de galaxies, d'étoiles, il y a 1000 milliards de galaxies, etc., etc. Et on a eu la, la norme surprise de s'apercevoir, comme je vous l'ai dit au début, que l'ensemble de toute la matière atomique, d'abord la matière lumineuse, dans tout ce qui brille, les 1000 milliards de galaxies, ça ne représente que 1% du total. Ça veut dire que 99% de la composition du vrai univers, ce pas visible. Alors il y en a qui disent, vous êtes complètement trompé, mais pas du tout. Il y a évidemment de la matière non visible, on appelle ça la matière noire. Alors c'est quoi la matière noire ben, Il y a une partie de la matière noire, c'est-à-dire qui ne brille pas, qui est faite de la même matière que nous, c'est-à-dire des atomes. Voilà, on appelle ça la matière atomique. Et on sait, par différents arguments, que ça ne peut pas dépasser 5% au total. Donc ça veut dire que l'ensemble de toute la matière atomique. Celle qui est comptabilisée dans la table périodique des éléments. Jusqu'à il y a 20 ans, on pensait que toute forme de matière ne pouvait pas échapper à ça. Ça n'en représente que 5%. Donc ça veut dire qu'il y a une matière additionnelle, matière noire non atomique. D'où elle vient Elle n'est pas dans la pièce. Hein. Voilà. Peut-être que le Big Bang l'a produite à haute énergie. De la même façon qu'un accélérateur de particules au CERN va créer à haute énergie des particules de matière qui ne sont pas des particules de matière atomique. Euh, voilà. Donc on appelle ça la matière noire non atomique. On pense que ça représente 27 et il manque encore les deux tiers. Et c'est là que c'est encore plus étonnant, les deux tiers qui manquent, c'est quoi ben, C'est de l'énergie, mais c'est plus de l'énergie massique, c'est plus de l'énergie concrétisée, euh, matérialisée d'une certaine façon. C'est une forme d'énergie diffuse dans tout l'espace, très diluée, qu'on appelle l'énergie noire ou l'énergie sombre, et qui représente les deux tiers de l'univers. Et c'est cette énergie, donc qui gouverne le destin de l'univers. Et on a découvert que cette forme d'énergie accélérait l'expansion de l'univers. Et donc, une question qu'on se posait depuis longtemps, l'univers est en expansion. Est-ce qu'un jour, ça va s'inverser Est-ce qu'il va rentrer en contraction Ou est-ce qu'il va se dilater euh, indéfiniment On pense aujourd'hui que ça va se dilater indéfiniment, mais avec, en plus, une expansion accélérée, euh, c'est-à-dire de plus en plus rapidement. Et là, on arrive justement un petit peu aux limites, mais les plus fascinantes de nos théories, ce qu'on essaie de comprendre... D'où elle vient C'est quoi cette énergie Eh bien, l'une des réponses, il n'y en a pas qu'une, hein, il y a presque autant de réponses que de chercheurs qui travaillent dessus. Elle est l'une des réponses qui semble les plus élégantes, les plus naturelles, etc. C'est que cette énergie, tenez-vous bien, elle vient du vide. Le vide, dans la physique quantique, le vide, c'est potentiellement tout. Un petit peu comme dans l'ancienne philosophie chinoise où on parle du vide, comme le Tao, où il y a toute l'énergie là. Voilà. Donc bah, le vide classique, hein, la physique classique, c'est pas intéressant. Vous prenez, vous prenez une boîte, vous enlevez tout, vous enlevez les atomes, il reste rien, il n'y a rien à dire. Le vrai vide, c'est le vide quantique. Et les, les lois de la physique quantique vous disent que quand vous enlevez tout dans une boîte, il reste irrésistiblement, euh, inéluctablement, de l'énergie qui va descendre à un niveau fondamental qui est non nul. Donc il y a bel et bien de l'énergie du vide. Et ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, c'est aussi une, euh, mis en évidence expérimentalement. Voilà. Et ben là, on finit maintenant, je vais finir avec euh, cette, énergie, cette énergie du vide qui est en train de sculpter aujourd'hui les nouvelles théories que l'on essaie de faire. C'est bien beau la relativité générale la physique quantique. Mais il y a un certain moment pour explorer les, les mystères les plus profonds de l'univers, peut-être la, la, la nature de l'énergie noire, le début de l'univers, le Big Bang, est-ce que c'est vraiment le temps zéro Qu'est-ce qui passe vraiment au fond d'un trou noir Il faut mettre les deux théories ensemble. Et ça ne marche pas. Il faut trouver de choses. Et donc, on est en train de construire de nouvelles théories. Vous êtes peut-être en train de lui parler, si ça vous intéresse. La théorie des cordes, par exemple, c'est l'une des voies possibles. Puis il y en a d'autres, des théories dites de gravité quantique. Peu importe dans le détail de ces théories, l'une des idées de base, c'est que dans toutes ces théories, le vide quantique joue un rôle fondamental par son énergie. Mais cette énergie, elle fluctue. C'est comme si vous avez un jour de fort mistral, vous avez une tempête. Voilà. Et vous n'allez pas pouvoir décrire l'état de votre océan de façon déterministe. En un point donné... Pff, Comment décrire la hauteur de la vague, etc. Non, vous allez faire une description statistique probabiliste. C'est une métaphore, si vous voulez, de les fluctuations spontanées aléatoires de l'énergie du vide. Et on est en train de se dire aujourd'hui, mais finalement, on va remplacer peut-être le point d'interrogation. C'était le vide, avec son énergie. Et cette énergie fluctue en permanence. Et chaque fluctuation de l'énergie du vide, bah, une fluctuation d'énergie, ça peut produire un espace-temps matière, c'est-à-dire un univers. Et on arrive aujourd'hui, donc je, je passe cette étape-là, sur ces nécessités de la, la gravité quantique, à l'idée du multivers, c'est-à-dire c'est l'une des idées les plus originales, qui n'est absolument pas garantie, hein, parce que ça, ça repose sur des théories encore spéculatives, qui ne peuvent pas être testées expérimentalement. C'est l'idée que justement, la fluctuation de l'énergie du vide, c'est ça, je vous l'ai montré, j'espère que ça va marcher, voilà comment évolue le vide, à une fraction de seconde infinitésimale. Ça produit une sorte de paysage. Ce sont les états différents de l'énergie du vide. Chaque état de l'énergie du vide, c'est potentiellement la transformation de l'énergie en un espace-temps-matière, c'est-à-dire un univers. Donc ça veut dire que maintenant, notre univers, celui dont vous avez parlé jusqu'à présent, et que l'on croyait unique, ne serait qu'un point du paysage. Fondue une vallée, par exemple. Tous les autres points sont dans d'autres univers. Et on a une multiplicité, pas infinie, mais gigantesque. donc D'ensemble de l'univers, tout se naît de façon spontanée et aléatoire par les fluctuations de l'énergie de vide quantique et par le hasard des choses. Tous les univers ont des lois de la physique différentes. Donc nous, nous, nous sommes dans un univers qui, par la force des choses nous permettant d'exister, il a certains paramètres très fixés, particuliers, pas par une intelligence divine ou autre. Enfin, c'est pas interdit de croire si vous voulez, mais je veux dire, ça sort du champ scientifique. Les autres, toutes les autres possibilités sont réalisées. Des univers complètement vides, des univers qui sont infinis, qui sont finis, qui sont en expansion-contraction, qui sont remplis de trous noirs, ou pas de trous noirs, pas d'étoiles, il n'y a rien, rien de tout là. Les conditions. Alors ça pose des questions philosophiques, évidemment. La seule condition pour que nous existions, nous, nous, en tant que qu'êtres humains, mais ça pas ça. Le, le ver de terre ou le lapin ferait le même raisonnement, euh, c'est la chimie du complexe. Pour avoir la chimie du complexe, c'est la chimie du carbone. Pour faire du carbone, il faut des réactions thermonucléaires dans les étoiles. Pour faire des étoiles, il ne faut pas que la gravité soit trop forte, sinon vous fabriquez directement des trous noirs. Si elle est trop faible, vous, 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 ne, euh, vous ne contractez pas l'énergie les, les interstellaire, vous ne fabriquez pas d'étoiles. Donc, ça fait tout un ensemble de conditions pour que nous existions. Mais ces conditions sont réalisées aléatoirement euh, dans un point de ce paysage, et elles ne sont pas réalisées dans les autres, dans les autres univers du multivers. Donc, voilà un type, le type de réflexion finalement un petit peu au-delà de la science, de nature un peu métaphysique, euh, que nous développons aujourd'hui grâce à l'exploration de, euh, de ces théories, et on ne répond toujours pas à la question fondamentale, qui est la plus profonde de toutes, et nous, dans tout ça, le cerveau humain qui pense, voilà. comment est-il équipé vraiment, finalement, de... est-il équipé vraiment pour comprendre cet univers qui, normalement, devrait complètement le dépasser on peut être effectivement émerveillé d'une certaine manière. Il y a à la fois une leçon de modestie et d'humilité. Nous, nous sommes des poussières dans l'univers. Mais de par notre capacité à penser l'univers, non seulement on pense... Un seul univers, le nôtre, qui est gigantesque, qui dans le monde devrait nous écraser, c'est la vieille leçon de Pascal, hein, aussi le roseau pensant dans l'univers, mais on est même capable de penser des univers dans lesquels nous n'existerions pas dans la théorie des multivers. Donc ça, c'est le grand mystère de la conscience, euh, qui pose évidemment une quantité de, de questions euh, voilà auxquelles euh, ben nous ne sommes pas loin de répondre parce que ça sort du champ hein, de la science. Si vous permettez, voilà, je vais juste finir, finalement, vous voyez, dans ce travail modeste travail que j'ai pu faire en tant que physicien-théoricien, c'est un voyage intellectuel. Alors, c'est un voyage immobile d'une certaine façon, euh, essentiellement dans un bureau, on réfléchit, euh, enfin au bureau, chez soi, n'importe quoi, on rêve, rêve éveillé, rêve nocturne, etc. On a des idées, etc. Mais finalement, c'est quoi C'est une aventure extraordinaire, parce qu'on a un espace inconnu à explorer. Donc, c'est comme une exploration où cette fois-ci, on ne va plus être immobile, on va se déplacer. Il y a des limites. Aussi, les limites de la connaissance, les limites de nos capacités intellectuelles, on se confronte à ces limites. On va essayer de les dépasser, en sachant qu'il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser. Il faut un engagement total également. Euh, solitude, endurance, persévérance, vertu du silence, tout ça. Transformer également la peur que l'on peut avoir en exaltation. Le silence éternel, les espaces infinis, m'effraient, disait Pascal. Et beaucoup de, de gens ont cette réaction devant l'immensité de l'univers. Alors, fait peur, on ne veut pas en parler, on ne peut pas, pas penser. Au contraire, il faut transformer ça en enthousiasme. C'est voilà. Et puis aussi, un truc fondamental qui est en voie de disparition aujourd'hui dans notre société aujourd'hui, c'est la prise de risque. Voilà, on n'a pas d'assurance et pas de garantie va réussir quand on explore une voie nouvelle, et c'est ça qui est exaltant également dans ce, euh, dans ce métier, et on est soumis aussi au regard de la communauté, les critiques, euh, ah, tu ne produis pas assez d'articles, ceci, cela, parce qu'on est en train de travailler sur un truc complètement nouveau, et ainsi de suite. Voilà. Donc euh, voilà, tout ça fait... Euh, euh, pardon, voilà. 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 voilà, il y a quelques mots ici typiques dans le cloud, euh, de tout finalement, ces facultés de, qui sont mises en œuvre dans cette... Dans ce profond travail que nous essayons modestement de faire pour décoder l'univers. Je ne pas regarder mon maman. Je suis sûr que j'ai dépassé. Merci.